Dans cette vidéo, je vais te rappeler une information importante que je t'ai donnée. Je t'ai parlé du métier du QHSE. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai eu à faire pour te donner les secteurs dans le domaine des mines, les départements dans le domaine des mines qui vont recruter dans les 10 prochains mois, qui vont recruter le plus. Je te les ai donnés. Aujourd'hui, je vais te donner d'autres informations supplémentaires concernant cela. J'ai insisté sur un département. Je dis que c'est un des départements les plus demandés. Je t'ai parlé du QHSE et je t'ai dit que c'est un métier transversal. C'est que tu peux être informaticien, tu peux être géologue, tu peux être mécanicien, tu peux être électromécanicien, tu peux être électricien, tu peux être professeur d'anglais, tu peux être professeur de maths, tu peux être professeur de géographie ou je ne sais quoi. Ce que je veux te dire, si tu as au moins un niveau du bac plus, tu peux exercer le métier de QHSE. La seule chose qu'il te faut, c'est de te former. La seule chose que tu dois faire, tu dois te former. On te donne telle information. Tu ne fais même pas l'effort d'essayer. Les gens sont toujours en train de mettre les choses à demain. Ils vont t'appeler. Tu vas leur donner toutes les informations. Je vais m'organiser, te revenir. C'est toujours la même chose. Combien de temps vas-tu mettre t'organiser? Quand est-ce que tu passeras à l'action? Quand tu vas avoir 100 ans? D'ailleurs, est-ce que tu es sûr d'avoir 100 ans? C'est quand tu vas passer à l'action. Prends mon petit café, je continue avec toi. Je vais te dire la vérité. Si tu ne passes pas à l'action, mon ami, tu auras choisi la route de l'échec. Parce que tout est difficile pour tout le monde. D'ailleurs, je t'invite à boire le café de chez nous. Notre pays est producteur de café. On a raté le train du café. Nous avons raté le train de cacao. L'agent de café, on a raté. L'agent de cacao, on a raté. En tant qu'individu, je ne parle pas en tant que pays. Parce que le cacao et le café ont permis de bâtir ce pays. Maintenant, nous sommes à l'ère. Un, des nouvelles technologies. Deux, des ressources minières et pétrolières. Mon ami, si tu rates ce train, c'est ton affaire. Par exemple, moi j'ai fait cette chaîne, donc je fais ma part, je te donne les informations. J'ai ouvert une formation en matière de QHSE. On te dit que c'est un secteur dans lequel les gens vont recruter. On lance une formation et tu attends le dernier jour. La formation commence le 5 juillet. C'est dans quelques jours. Et jusque-là, tu t'es pas encore inscrit. Qu'est-ce qu'on va te dire encore une fois? Pourtant, chaque fois, vous voulez travailler en mine. Mon ami, si tu es géologue, tu peux être HSE. Donne-toi la chance. Donc, en plus de ton diplôme de géologie, là, fais un certificat en HSE. Montre une deuxième compétence. Peut-être que c'est ce qui va te donner à manger. Que ton truc de géologie, tu les entends toujours en train de dire. Je suis étudiant en mine et géologie pétrole. Ça sonne bien dans vos oreilles. Mais, donnez-vous la chance d'être employable. J'ai même écrit un article sur l'employabilité et le chômage. Il y a une différence entre un chômeur et celui qui est employable. Est-ce que tu es employable? Quand on vous dit qu'il y a une formation, il y a un domaine où il y a un besoin. Le besoin n'est pas seulement dans les compagnies minières. Aujourd'hui, aucun gros projet ne peut être lancé sans qu'il y ait un département HSE. C'est le premier problème que les banquiers même vont demander avant de financer votre projet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un financement de la Banque mondiale pour des activités comme, par exemple, la construction de routes, construction d'usines, etc. Les choses de l'industrie lourde sans justifier, prenons le métro d'Abidjan.
Vous pensez que le métro d'Abidjan est centré, il n'y a pas un département HSE qui est en charge de tout ce qui est safety, tout ce qui est santé, sécurité? Et si tu travailles là-bas, même la tour F que vous voyez, vous pouvez me dire qu'il n'y a pas un département HSE qui s'occupe du contrôle en termes des travaux sur au niveau de la tour F? La tour F, c'est la tour la plus haute qui est en train d'être construite au plateau en Côte d'Ivoire. Il va faire cumuler autour de je ne sais pas combien de mètres. En tout cas, plus de 300 mètres de hauteur. Quel est le... On vous parle de... Vous entendez... On lance des inscriptions, vous attendez encore les choses. Vous allez réfléchir pour faire ça. Ça te coûte quoi de mettre ce diplôme, cette certificat dans ta poche? Et tu te donnes une chance supplémentaire d'être recruté dans une compagnie. Que ce soit une compagnie minière ou autre chose. Les compagnies minières, c'est obligatoire. D'ailleurs même, c'est un des départements les plus craints sur un site minier. Parce que eux là, ils sont comme ça, ils sont droits. Pour être associé, il faut être un gars qui a une certaine probité, un certain sérieux dans ce qu'il fait. D'ailleurs, s'il n'est pas sérieux, c'est pas la peine de venir à notre formation. Parce qu'on veut former des gens, quand ils vont sortir de nos formations, qu'ils puissent trouver travail. D'ailleurs, ceux qui ont suivi notre formation ne font pas plus de 6 mois avant de trouver un emploi. Parce qu'on les coach. Les offres qu'on a, on met aussi à leur disposition. Ce n'est pas nous qui partons faire les entretiens à leur place. Mais on les coach. On les oriente. On collecte les informations pour eux. Et d'ailleurs, ils sont bien formés. Et donc, quand ils vont à un entretien, tout de suite, ça se dégage. Je ne dis pas ça pour te dire, viens t'inscrire et qu'on va te donner le travail obligatoirement. Ce n'est pas ce que je te dis. Je suis en train de te dire que c'est une opportunité. Et tu ne perds rien à saisir cela. Moi qui vous parle, je suis responsable HSE pour une multinationale. Donc, je sais de quoi je vous parle. Je ne suis pas en train de vous dire des choses dans le billard. Mon ami, lève-toi, viens t'inscrire. Le cours là commence le 5G. C'est aujourd'hui que tu dois t'inscrire. D'ailleurs, on a même offert des prises en charge pour les 20 premiers inscrits. Mais toi, tu attends encore. Que tu crois que tu peux y arriver ou que tu crois que tu ne peux pas y arriver, dans tous les cas, tu as raison. C'est ton choix. Mais écoute-moi très bien. Un jour, tu vas ouvrir ta page ou bien tu vas ouvrir Facebook ou bien n'importe quoi et tu vas voir offre d'emploi et c'est écrit HSE. Et puis tu vas te mordre les doigts parce que tu ne pourras pas postuler. Parce que tu n'as aucun diplôme dans le domaine. Parce que tu n'as pas écouté ce conseil que tu as donné. Regardez, demandez à n'importe qui. Le nombre d'emplois, le nombre d'offres d'emploi aujourd'hui, le plus élevé concerne les questions safety. Si tu n'as pas compris ça, toi, tu penses que quelqu'un va construire une mine sans avoir un département safety? Il est quitté où? Ces compagnies sont cotées en bourse. Pas avec la sécurité. Une blessure sur un site minier, c'est comme la catastrophe. C'est comme la fin du monde, si vous voulez. Ça peut faire perdre les bonus aux gens. Vous savez ce que c'est qu'un bonus? Demandez à un minier ce que c'est que le mot bonus. Il sait ce que ça veut dire en termes d'argent. Quand on dit que les bonus sont tombés, quand le minier te dit le bonus est tombé, on dit mine là, c'est parce que vous n'avez pas encore compris ce qu'il y a dedans. Moi, je ne parle pas des gens qui, des ouvriers, même l'ouvrier dans le mine est mille fois que plein de gens dans d'autres compagnies. Demandez. Parce que les compagnies sont réglo. Les compagnies minières sont réglo. Sont réglo du point de vue de la loi. Ils sont réglo du point de vue du payment, comment on dit ça en français là, de l'argent qu'on vous paye. Sont réglo. Donc, si tu es bon, mon ami, ton salaire va être bon. Les inscriptions sont encore disponibles. Tu peux t'inscrire maintenant. Tu as jusqu'au 5G. De toute façon, si jusqu'au 5G qu'on a bouclé, on a bouclé. Mais je te donne l'information. Inscris-toi. Intègre cette formation, mon ami. Tu ne perds rien à avoir la connaissance. La connaissance, c'est une puissance. Encore une fois, si tu sais utiliser cette connaissance, tu multiplies cette puissance. Tu trouves de l'argent pour acheter une bière, il n'y a pas de problème.
Mais si tu comptabilises le nombre de biens que tu bois par an, peut-être que tu devais réfléchir deux fois. À bon entendeur, à la prochaine vidéo. Par contre, un dernier élément, regardez dans la description de cette vidéo le lien pour solliciter les informations pour t'inscrire est disponible. Il y a aussi l'adresse WhatsApp, donc le numéro WhatsApp +225 07 59 42 17 05. Et c'est une formation entièrement en ligne. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu fais actuellement, tu peux suivre. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. On le fait pour vous. On donne ce coup avec le cœur pour avoir une communauté. L'idée ici, c'est que des gens viennent rendre témoignage pour dire « J'ai suivi cette formation. Aujourd'hui, je suis dans telle compagnie. Je fais ceci. J'ai eu ceci. » Moi, quand je reçois ces choses dans l'inbox, c'est comme si la journée était gagnée. À la prochaine vidéo.